We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. Salut les tipotes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo cuisine, cooking time. Avec Maïté. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Yeah. Là, c'est rien. Et José. Maïté, José, mais il y aura aussi des guests plus tard. On donne leur prénom tout de suite, comme ça. Oui. Le petit tease. Ouais, je m'en rappelle en plus. Hervé, Xavier, et là on a oublié un prénom. Je sais pas si c'est Laurent ou Hugo, c'est Stéphane. Peut-être que c'est Stéphane. On ne sait pas, vous le découvrirez en même temps que nous. Hein. On va vous faire un petit gâteau yaourt. On va le décorer bien évidemment parce que sinon c'est beaucoup trop simple. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les beaux dessins. Nous allons passer à la recette. Dis-nous tout, José. On commence avec l'étape 1. Mettre dans cet ordre un pot de yaourt nature. Je te laisse le faire. Je sais faire. Ah. Déchiré au perfil. Démarre mal. La poubelle, elle est là. Ah, sur un accent du sud. Je sais même pas d'où ça vient. Maïté, ça. C'est Maïté. Maïté, elle parle comme ça. Oui. Je crois qu'elle est du sud, Maïté. Ah si. Je crois qu'elle aime bien l'huile d'olive. Je crois qu'il faut le rincer. Ah mais je suis con. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, quand même pas. C'est un café à la vaisselle, je te préviens. Pas trop le sucre vanillé en t'attendant. 2,5 pots de farine. Vas-y. Oui, on va mettre un enfant. Elle va se calmer, Maïté. Couvre-feu, tu dois repartir à 14h, 13h. Et vous? Est-ce que Emmanuel Macron fait chier? C'est bien parce que Delia, elle nettoie le pot, mais elle n'essuie pas, du coup, ça colle. Ouais, c'est vrai. Tiens. Ouais. Combien de sucre? 2 secondes, frère. Je sais pas, je suis perdue là, c'est... Un demi-pot. Eh, c'est beaucoup. Je suis désolée, mais je suis obligée de faire part de ma haine envers les gens sur TikTok. Dès qu'ils sortent une recette avec un peu de sucre, dans les commentaires, c'est... Le diabète est en train d'écrire. Attends, ça commence à me casser les couilles. Est-ce qu'il faut pas préchauffer le four, tiens? Eh ben... On va le mettre à 180, tu sais comment ça marche ou pas? J'ai failli casser le four à ma mère. Non, je vais pas te laisser le faire. Voilà. Oh, ça me saoule déjà. Je mélange. Ça marche pas. Ça me casse les couilles. C'est chiant. On tape, rajouter les 3 œufs et mélanger. Là, je vais bien mélanger et on va rajouter les 3 œufs pour que ça se liquifie parce que ça commence à me casser les couilles. On s'est lavé les mains avant de faire la cuisine aussi. Hein. Ouais. Mais ouais, on s'est lavé les mains. Merde, je me gratte pas le nez là. C'est pas très Covid. Bien casser les œufs. Ouais. Comment ça me saouler ça là? En plus, on fait la cuisine avec les cheveux longs, vraiment des cassos. Oh, on aurait dû mettre des charlottes. Elles vont arriver les tocs, hein, mais on n'a pas Amazon. J'aurais dû. Attends, de que tu parles. Elles vont arriver les tocs. Ah, pardon, merde. Du coup, les tocs. Je vais le prendre. Bah voilà. Oh. Oh, c'est beau, regardez-moi ce moment de complicité avec José. Bref, on n'a pas de toc, voilà. Donnez votre compte parce que, voilà, on l'a déjà piraté. Donc j'ai plus Amazon Prime pendant 14 jours gratuits. Eh, ça coûte cher, frère, ça coûte plus de 10 balles, ouais. Donnez votre... Abonnez-vous, franchement. Ouais. Je le dis, mais abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un commentaire pour le référencement. On vous voit la moitié qui sont pas abonnés. Les petits curieux, là, qui nous regardent, ils sont... Haha, c'est Lélia et Camille, abonnez-vous. J'ai mal aux genoux. C'est pas genou, tu bouges là. Mais j'ai mal. Qu'est-ce que vous en pensez de la saison 4 de SNK? Répondez en commentaire. Ah, Lélia, elle kiffe. Elle adore, elle est choquée même. Ouais, de fou. Ouais. Et franchement, le mec là qui est... Ouais. le mec est... Ah, j'adore. On sait comment ça va se finir, hein, parce que les spoils SNK, ça y va, tout va. Donc bon, ma foi. Je l'écoute parler de SNK. Oui, c'est ça. Pourquoi tu dis... Bah parce que c'est Shinjeki no Kyujin en japonais. Ouais. Et l'histoire est... Pas trop, parce que je veux pas la spoil au cas où elle regarde un jour, mais... Mais... Oh, c'est quasiment tout. Ouais. Tu sais, je me rappelle même pas, genre... Oui. Je t'écoute, je suis... Oui.
Je te comprends. Je te comprends, ouais. Je la comprends, mais moi, c'est avec des séries. Mettre l'huile, mélanger et ajouter le sachet de levure. Ok, et il faut combien d'huile? Un demi pot d'huile. Tournesol, hein? Eh oui, tournesol. Comme dans Tata. J'ai peur. Bah, il y en a un qui s'appelle Professeur Tournesol, si je me trompe pas. Moi, c'est ce que tu m'as dit. Genre, moi, avec mes séries, quand ça se finit. Nope. Même en droit quel, genre, je suis au. J'avais l'impression d'être vide sans ma fille. Il y en a qui regardent Suits. Mais du coup, moi, après, ils sont pas très mal. Sur Insta, présent. Elle, comme elle m'a dit, ça n'existe pas. Ouais. Elle peut pas les suivre sur Insta. Ça qui me blesse. C'est fini, tu verras plus. Quand c'est fini, c'est fini. Y a pas de. Je peux pas les revoir un jour, c'est juste, ils sont morts. Fact, j'avais un batteur chez moi. Et on faisait des trucs avec ma soeur pendant le confinement. Et elle me dit lave les trucs. Et là, je mets le batteur sous l'eau. Mais au bout d'un moment, je me dis putain, mais c'est électrique ça, il y a quand même un fil avec une prise au bout. Et du coup, j'ai pété le batteur. Je l'enlève de l'eau, mais j'aurais pu le remettre, mais j'avais pas envie de faire une Claude François. Désolée s'il y a des fans de Claude François, bon. Hein, mais bon. C'est moelleux. Waouh. Mama. Nickel au sang. Je pense qu'elle a mangé tout le truc pour dessiner. Il est où? Elle dit comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Camille? Gros, c'est trop bon. D'abord, on fait la petite tipote. J'ai vraiment envie, j'arrive pas à écrire T. T-H-E. Ah oui. I. Non, c'est bon. Et t'y parles, les tipotes. Entre ce qu'on doit faire. Ça, cette théière là. Si vous l'avez pas compris, tipote, ça veut dire théière. Ouais. En fait, les gens n'ont pas compris. Bon, je pense. Hein, ouais. C'est forcément sûr qu'il y en a un qui a pas compris. Du coup. Magnifique. Gros, j'ai envie de le défoncer. Non mais genre de le manger hein. Genre bien bien, tu vois, genre c'est bon. On va souffler les bougies du coup. C'est un vœu ma bibou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Cooking Time avec José. C'était Maïté. On est ravis de vous avoir reçus sur cette chaîne. Ouais. Surtout, n'oubliez pas de noter le gâteau sur 20. Moi, j'estime un petit 16, 17. 18, il est très ouais. Mignon, je suis désolée. C'était pour l'anniversaire de José. On valide, il est très beau. Très enfantin, à notre image. Oui. Parce qu'on est des grands bébés. That's the tea!